Yo! J'espère que vous allez bien. Est-ce qu'on m'entend? Oui, on m'entend trop bien. Hop! Encore et toujours, on résiste à l'envahisseur. Encore plus d'Elden Ring. J'aime Elden Ring. C'est bien Elden Ring. On se fait taper le cul, mais c'est bien Elden Ring. C'est le week-end! Let's go. J'aime bien mes petits sauts d'humeur schizo. Ah oui, c'est vrai qu'on s'était fait taper le cul. Ah, il faudrait que je change le katana d'ailleurs. Ah, j'ai pas. J'ai pas le couteau pour. Bon, tant pis. Oh, je vais me mettre dedans. Ouais. Ouais. Dieu Grenada. Bonne chasse. J'ai vu que t'étais sur Rise. Ils ont mis Rise gratuit sur PS4 d'ailleurs. Enfin, ils l'ont mis dans le pass. C'est pas gratuit, mais. Ah, sur World. Oh, c'est juste pour me la remettre dans les doigts. Si j'y arrive pas, j'irai ailleurs. Ah bon, c'était pour moi. Rice et beurre pour moi. Ah ouais? Pourtant, je croyais que t'aimais. Je croyais. Première phase qui passe bien. On le connaît un peu, je l'ai encore chaud dans la tête. Ah oui, c'est vrai qu'il fait ça. Oui, je vais bien. Je suis un peu fatigué, mais je vais bien. J'ai essayé de réparer les consoles que j'ai montrées l'autre jour. Mais pas réussi. Un problème de lecteur et tout. Il faudrait que je l'ouvre plus en détail et que j'aille trifouiller dans le lecteur. Il y a des bons tutos, mais. Ah, elle était magnifiquement bonne cette pizza. Je l'ai eu pour moins cher en plus. Je suis pas réveillé. En fait, il y a un petit coup de pute sur la caméra. Elle est pas au bon niveau, je sais pas comment le dire, mais elle me fait faire une sorte de vue de trois quarts, mais en biais. C'est très chelou. Enfin bon, c'est pas grave. Quand même. Ah. Regardez, là je suis normal et paf, vous voyez, ça me fait une vue trois quarts un peu chiante. Ouais. Est-ce que je changerai pas mes lames?
beaucoup d'armes sur la foi quand même, hein. J'ai rien qui protège du saignement, non? Dégâts non physiques. Ouais. Équilibre, endurance. Je sais pas trop. Je pense pas que ce soit que je sois mal en termes de stuff. Peut-être voir pour changer les fioles. Force, dextérité, assistance aux dégâts, équilibre, attaque de feu. Je sais pas, on va s'augmenter la dex et la résistance aux dégâts. Salut Ellie! Putain, vous avez la même couleur dans le chat, c'est perturbant. J'espère que ça va. Bah moi ça va bien. Oh mais... Un peu calme. J'ai la semaine qui retombe dans les jambes. Ouais, je me suis fait claquer le cul. Ah ouais, bah ça... La restauration, hein. Ah, si je le colle, ça marche. h 30, tu fais le petit déj. Je ne vois absolument rien. Je sais pas pourquoi, mais là je vois rien du tout. Je vois pas les attaques, je suis perdu mais complet. Un peu ouais, la caméra de ses morts, je trouve, ouais. En fait, le truc, c'est que la caméra, quand je vise, elle me met comme ça. Et du coup, c'est hyper perturbant. En vrai, je vais pas le lock. Ouais, vous voyez, voilà, on voit beaucoup mieux. Non, mais la caméra dans les FromSoft, ça a toujours été un problème. Va esquiver ça. Ah non mais... Achève-le. Oui, 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 bah regarde, je le tue. Oh, il est mort. Comment je suis trop fort. Ah là là, vraiment... Putain, meilleur joueur de la Terre, hein. Pff, ah, merci. Ah, ah bah il y a une phase 2. Ah bah merde. Ah, je l'avais pas vu. Fast. Gotta go fast. Shit.
J'essaye de me mettre pile à l'endroit, mais... Quel con. J'ai vu ton message, j'arrive. J'ai un petit problème de taxi. Ah, il est mort. T'es le seul que j'ai vu jouer, c'est pour ça que je savais pas que la phase 2, non, y a pas de phase sur tous les mini-boss. Non, y a pas de phase sur tous les mini-boss. Ouais, je l'ai battu, je suis trop fort. Oh là là, meilleur joueur de la planète, hein. Ah, oh, putain. Allez, maintenant, on va s'amuser à esquiver là-haut de ses morts. Donc là, je cours. Ah, bah j'ai perdu. Ah ouais, bah ouais. J'étais trop près. Je pense qu'il y a... Je pense qu'il y a une technique, mais je l'ai pas. Merde. Trop tôt. Ok, de coup c'est bien. Ça c'est bien. Alors que ça me touche, ça m'écoute un peu. Bon alors ça. Là j'ai été bon. Rune majeure de Mikaela. Easy. Ok. Putain, c'est bien passé hein. C'était pas un mini-boss du coup. Non, c'était pas un mini-boss, non. J'ai trop de runes. Enfin, j'ai trop de niveaux. Du coup, rune majeure de Mikaela. Et c'était marqué comme un truc à activer. Ne possède plus que le pouvoir de résister aux envoûtements. Abandonné par Mikaela. Brisé et dépourvu de toute indépendance. Elle ne possède plus que le pouvoir de résister aux envoûtements. Quelle est la partie pour la tour sombre mais d'ombre et renoncer à tout. Serge doré sa puissance aveuglante, sa destinée même. Ouais, j'arrive pas à lire, je suis désolé. Tout cela dans le but d'ensevelir le péché originel, de l'embrasser tout entier afin de renaître sous les traits d'une nouvelle divinité. Mais c'est-à-dire comment ça utiliser? Usage illimité. Quand tu lock pas, ça va mieux. Ouais, j'avais plus de vision. Bon. J'avais plus de vue. Mais c'est souvent ça avec les boss gigantesques. Et le meilleur exemple, c'est le géant de feu. Tellement qu'il est énorme. Je
Je me demandais si j'allais me faire Baldur's Gate 3. Bien envie. Je sais pas pour vous, mais je pense que ça peut être sympa. Bon, du coup, j'ai pas trouvé la suite de ça là pour aller là. T'aimes bien? Bah oui. En même temps, c'est bien comme jeu. C'est comme là, je sais pas comment on y va. Sûrement en passant par les eaux là. Peut-être en descendant par là. Il y a énormément de vent. C'est pas faux. Ah ouais. Oh, je mange des chips, hein, c'est bon. J'ai droit à mon petit temps chips. Comment je fais pour descendre? Par là. Saute. Meurs. Abandonne tout espoir. C'est Vanquish aussi qu'il faudrait que je fasse en live. Ça dure pas longtemps, mais qu'est-ce que c'est fun. Oh, mais attendez. Ah oui, mais non, mais je peux pas y aller là. Dommage, ça sentait bon. Moi, je pense pas que je puisse faire quelque chose là. Ouais, parce qu'en fait il y a toute cette zone là et toute une autre zone que j'arrive pas à accéder. Ça m'embête un peu quoi. Après attends, il y a un pont là. J'espère que vous appréciez. Très God of War comme musique. J'adore God of War. Ouais, ils ont annoncé qu'ils allaient mettre, enfin qu'ils allaient sortir Ragnarok sur sur PC. Ouais. Je vois pas trop l'intérêt, à part faire des ventes. Ça a tout un intérêt pour les développeurs, Antoine. Ah. Ouh, sacré vent. Ouais, ça c'est la grotte. Je suis un peu... Oui. Il y est déjà, non? Non, il n'est pas encore sorti. Ragnarok, je crois, sur PC. Il a été annoncé fin d'année, je crois. Je crois, hein. Après, je suis pas trop... Je les ai défoncés, hein, les God of War, les derniers. D'ailleurs, je suis en train de faire les trois premiers. Les quatre. Parce qu'il y a 1, 2, 3 et Ascension, je crois. Mais il me semble que c'est pour la fin d'année, hein. Enfin, ils aiment bien sortir vers la fin d'année parce que ça, c'est le moment où les gens finissent l'été et cherchent à des trucs à faire pendant l'hiver. Comme ne l'a jamais aussi bien dit mon beau-père, l'hiver je joue, l'été je nage. Comme quoi, faut écouter les anciens. Est-ce que je peux descendre par là ? Ça me semble un peu bizarre de pas pouvoir rejoindre. Oui, Noël, bah oui. Oui, oui, carrément. Tout est calculé pour que ce soit à peu près vers Noël. Hein.
Le fait qu'il y ait plein de sorties en octobre, septembre, ça permet aux gens de calculer ce qu'ils vont acheter pour Noël et pouf. Après, je trouve qu'aujourd'hui, il n'y a plus trop cette notion de Noël et tout ça. Il y a un truc qui sort, les gens l'achètent. Ne serait-ce que le DLC d'Elden Ring, 5 millions de copies vendues en 2, en 3 jours, 5 jours. C'est énorme. Bon. Est-ce qu'on triche ou pas? Après, là, il y a des choses, non? Pas de triche. Pas la thune pour tout m'acheter, de tout m'acheter immédiatement. Bah ouais. Moi, je me rends compte que j'ai la thune. Et j'en profite. Donc voilà quoi. Je vois pas comment on peut descendre. Faut que je me refasse un petit peu un tour de la carte. J'ai dit que j'avais la thune, j'ai pas dit que j'étais généreux. Évidemment que non. Forêt qui tourne déjà. Je trouve que je suis déjà pas mal. Un peu trop d'ailleurs. On peut aller là? C'est le bas de l'église en fait. Il tourne sur mon PC fait tourner par le sur 3. Oh bon, bah très bien. Ah mais je savais pas si t'avais un PC un peu sophistiqué ou pas. Peut-être qu'il faut passer par là. Un truc que j'ai pas vu par là. Un soupir. Ah mais attendez, j'avais pas débloqué un truc. Un saut, je sais pas quoi. Je sais plus. Ouais, bah le Baldur's Gate 3, s'il est en promo quelque part, je pense que je vais me l'acheter. Et je le ferai tranquille ou bilou. Je sais que Paco il piquait le compte à quelqu'un. À Alexis, je crois. Comment je fais pour descendre là? Parce qu'il y a quand même toute une grande zone, hein, c'est. Pas en promo sur GOG, je peux aller voir. Moi j'ai un truc rapide instant gaming, c'est tout. Ouais, mais je suis toujours pas allé voir sur instant gaming. Oh, il doit pas coûter cher maintenant. Je vais voir, je vais voir. Ah mais oh, je vais être obligé de mettre le mode streamer, non? Y a pas un truc comme ça? Ah, je pourrais pas montrer tout et n'importe quoi, fais chier, vas-y. Elden Ring. Ah, c'est un gaming, c'est trop cher pour moi. Ah oui. Taras! Céleste à 2 € sur Steam. Oui, c'est une distraction. J'aime pas Céleste. J'aime pas ces jeux. Je suis pas fan de ça. Je pense que si j'avais été gamin, ouais. Mais là non.
Putain, j'ai mon repas de ce soir dans la tête là, je vais le défoncer. Sur mon compte, j'ai 11 centimes. C'est un compte bancaire. Enfin, j'espère que t'as pas des impératifs parce que putain, 11 centimes c'est chaud. Moi j'ai jamais été de ma vie en négatif. C'est interdit chez moi. Quoi qu'il se passe dans ma vie, je me démerde pour avoir de l'argent. Tu dois acheter de l'essence. Ah. Ben, j'espère pour toi, KO, un peu papa maman. Ça fait chier, mais bon. Église de la bénédiction, on y était allé, je crois. Ah oui, oui, c'est. Ouais. C'était où là? Passage de l'arbre vénéré. Oui, bah j'imagine bien que t'attends ta paix. Nous, les fonctionnaires, on est payés avant la fin du mois. C'est tout? C'est génial. Oui, enfin, c'est bien comme c'est pas bien. Parce que du coup, en fait, t'as tout d'un coup avant les charges. Et souvent, t'en as qui achètent, mais ils se rendent pas compte qu'il y a des charges à payer derrière. T'as payé que 150 balles? Ça me semble peu. Je reviens là. Une vingtaine d'heures au SMIC. C'est tout? Travaille que le samedi et le dimanche, un truc comme ça. Après, si t'es étudiante à côté que tu dois réviser, est-ce que c'est... ça suffit largement? Parce que bon. Il y a quand même pas mal à faire derrière. Ah, je crois que c'est là qu'il faut que j'aille. On va aller voir là. Bon, mon salaire il est public, alors ça me dérange pas d'en parler en live. Les gens ils ont rien. Gardez vos tout. Il y a un souci au niveau du planning, j'ai eu une pause de une semaine imprévue. Ah ouais, quand même. De quoi payer 2 Elden Ring, Shadow of the Erdtree Edition. Sur Instant Gaming. Grenada a des priorités réelles. Moi j'ai pour... Ah mais attendez, c'est là où je suis pas allé voir. Moi j'ai pour principe, quand je reçois mon salaire, c'est je mets les sous sur le compte pour les charges. Et les sous pour faire des économies. Pour acheter, enfin pour plus tard acheter une maison. Et après je me fais plaisir. Grenada est collégien lycéen, les priorités ne sont pas vitales. Oh, Grenada fait partie de ces jeunes lycéens qui vont vite comprendre la vie, je pense. Ça va, mec? Pour l'instant, c'est un adaptateur qui a HDMI VGA 15 broches. Ouais. Ça doit coûter cher en plus, ces adaptateurs à la con. Moi, j'en ai un pour le deuxième écran. VGA vers HDMI. Quand je peux, t'es caché que j'avais de l'argent. Bah oui, je pense bien. 12 balles, oh ça va. Ça m'avait coûté 40 boules à l'époque. T'es bien résistant, toi. Putain, si ça arrache pas une branche de l'arbre en face de ma fenêtre, je sais pas ce qui se passe. Hein. Bon. Tapons dessus. Bah oui, forcément. Putain, ça m'énerve d'être bloqué comme ça là. Forcément que je tape dessus, imagine, il y a un passage secret. Je suis sûr que c'est pas loin en plus.
Ça me nargue, ça, là. On dirait une sorte de... Calmez-vous, Michel. Ouais, donc du coup, la valeur de l'argent est très importante. Et je me suis rendu compte à quel point je gagnais bien ma vie, c'est quand je discutais avec des amis et on parlait tech, nouveau PC, tout ça, se faire plaisir. Enfin, se faire plaisir, avoir un truc qui tourne pour les jeux d'aujourd'hui. Et moi, je disais, oh bah, moi, je me suis pris la 4060 RTX et tout, j'ai un nouveau pros et tout ça. Et ils font, ah ouais, moi aussi, j'aimerais bien changer de PC. Je pense que... Mais bon, problème, ça va être galère. Et je fais, oh, mais ça va. Tu peux t'en sortir avec 700 balles et avoir un très bon PC aujourd'hui. Ils me disent, ouais, ben moi, je suis à 1200 euros au SMIC. Et j'ai mon loyer, mon électricité, mon eau à payer. Et je suis là, ah. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que moi, je suis pas du tout au SMIC. Et qu'il faut que je prenne conscience de la valeur de mon salaire pour éviter de refaire ce genre de bêtises en disant oh mais ça va c'est bon. Voilà quoi. Bon après je suis pas là à déblatérer ma richesse mais parce que j'aime pas ça. Mais ouais je suis un peu passé pour un couillon quoi. T'es pas du tout au SMIC, t'es largement en dessous. Oui, moi je gagne. Je gagne de l'eau et du pain. Je suis payé en eau et en pain. Bon, je trouve pas ce que je veux. C'est chiant. Là, il y avait un boss, si je me souviens. Peut-être que je peux descendre. Je sais pas. C'est trop bien ça. Bah oui, c'est trop bien. Au moins, je peux manger et boire. Mais encore! Les deux. Bon, ma copine, avec le salaire qu'elle a, elle pourrait pas vivre seule dans l'appartement qu'on a, par exemple. Moi, oui. Tu sais quoi? Je vais le chercher. Étalon du Étalon du cul! cul! Étalon du cul! Continue de Viens m'enrichir. dire bonjour! Étalon du Après, cul te dit bonjour! je suis pas payé par Twitch, quoi, par exemple. On a gagné une seule fois 50 balles et c'est pas cool qui a gardé l'argent. C'est pour dire. Je pensais pouvoir descendre là, mais je peux pas. Là, y a rien. Ah, le pire, c'est qu'il me donne la carte en plus. Il me donne l'emplacement de la carte. Doit y avoir un passage que j'ai pas vu. Dans le château englouti là. Je pense. Après, le métier que je fais, faut avoir envie de le faire aussi. Il est pas simple. Il peut être très désagréable. Il n'est pas donné à tout le monde. Il faut être un peu sado, je pense, pour avoir envie de le faire aussi. Surtout en ce moment, quoi. Je me permets de tanker, hein, parce qu'on explore juste, donc... Ouais, là, ça a l'air de mener à quelque chose, ça.
qu'il faut que j'aille dans l'église? Ah mais maintenant que j'ai enlevé l'eau, il n'y a pas quelque chose de... Eh, attendez. Maintenant qu'il n'y a plus l'eau. Ah, mince. Enfin, après, moi, je ne souhaite que du bon à tout le monde. En tout cas, aux honnêtes travailleurs. Aux honnêtes gens, je dirais. Tout le monde a droit à faire des erreurs dans sa vie, évidemment. Et encore heureux. Du coup. Ah mais là je suis tout en bas, est-ce que c'est pas... Moi j'ai ce petit plaisir de regarder des reportages. Enfin j'avais ce petit plaisir. Tiens je me fais chier, si je lançais un jeu que personne ne connaît, pourquoi il me lance ça dans le stream lui? Qu'est-ce qu'il va lancer? Genre Elden Ring. J'avais ce petit plaisir avant de lancer, enfin de regarder des reportages. Oh miam, genre 100 jours avec la police de gendarmerie de... C'est, ça dure 1h30, tu vois des mecs qui contrôlent, qui font ci, qui font ça. D'un air de dire, ouais la vie elle se passe comme ça et vous avez intérêt à suivre. Et en fait, maintenant que je regarde ça et que je suis dans la police, je me rends compte que c'est pas du tout la réalité des choses. Comme nous de notre côté en tout cas, dans notre brigade, on est plus sur de la prévention et de l'explication. Et ça nous fait chier honnêtement de... verbaliser les gens, surtout quand on sait que... Bah en fait, on, par exemple, on regarde la voiture, quand on voit une voiture un peu vétuste, un peu vieille, quelqu'un qui est fatigué, qui... Ah putain, on revient là, fait chier. C'est pas du tout là où je voulais aller, moi. Une personne fatiguée, souvent le tôt le matin, elle va au travail, tu vois. Tu sens que c'est compliqué. Ça ne sert à quoi de lui prendre de l'argent et des points sur le permis pour encore plus les saquer. Surtout quand, quand ils sont de bonne volonté, quoi. Voilà. Moi, mon salaire, il va pas changer. Alors oui, j'ai des devoirs envers l'État français. Et surtout envers ma commune. De faire respecter l'ordre. Notamment mettre des amendes de stationnement et ce genre de choses. Bah ouais, je le fais. Je le fais pas de bonté de cœur parce que je me dis que bah 45€ quand même, ça peut faire 3 repas à quelqu'un. 45€, c'est possiblement une soirée avec papa, maman, les deux enfants à McDo quoi. Voilà, moi je pense à ça. Mais je suis obligé de la mettre. Parce que comme je dis, bah j'ai un devoir à faire. Et c'est comme ça que je visualise la vie. Et les choses. Après, n'en déplaise à beaucoup, bah... Bouclier des stocks de Caria. Ah, je crois que c'est le bouclier où on peut attaquer avec. Il me semble. Moi, j'ai pas l'intelligence. T'es un bon flic, je trouve. Il n'y a pas de bon ou de mauvais flic. Il y a des personnalités et des gens différents. T'en as. J'ai des collègues hein, qui disent qu'ils veulent parfois couper la main, couper les mains des SDF pour plus qu'ils boivent de l'alcool dans la rue et qu'ils retournent au bagne. Parce que oui, quand ça fait 15 fois que tu expliques à la personne qu'elle n'a pas le droit de boire de l'alcool dans la rue et de faire de la manche et qu'il faut peut-être un jour dans sa vie se bouger les fesses. Oui, c'est sûr que là, au bout d'un moment, tu pètes un peu un câble, c'est sûr. Mais moi, je me dis que je rentre chez moi. J'ai mon chat, j'ai ma gonzesse, j'ai mon PC, j'ai tout ce que je veux en fait. Donc, à quoi ça me sert d'aller foutre la merde chez les gens quoi? Et au début, je réfléchissais beaucoup comme ça.
En mode non, la loi c'est la loi. On doit l'appliquer quoi qu'il en coûte. Alors je me mettais, mais comme un connard, hein, je me mettais au passage piéton et chaque personne qui grillait un petit peu piéton, bam, 6 points. Tu vois, c'est vraiment. J'ai réfléchi comme ça, je l'assume. Hein, comme un gros con. Hein. Et c'est ça être un gros con de flic. Hein. Mais tout et n'importe quoi. Hein. Que ce soit ceux qui le font, mais totalement. Qui font totalement l'erreur, et ceux qui la font juste un petit peu. Hein. Aucune remise en question ou quoi que ce soit. Hein. Et fait, c'est fait. Hein. Pas le temps d'avoir des explications. Va te faire foutre, t'avais qu'à pas faire l'erreur. Hein. Moi, je réfléchissais comme ça avant. Ah, je suis revenu là. Ah non, je suis revenu là où j'étais. Je suis trop con. J'avais confondu avec un autre endroit. Mais bon, ça me sert à quoi en fait dans ma vie de prendre 45 balles, 135, des points sur un permis à quelqu'un? En plus, ce qui me fait bien rire, c'est que les flics aujourd'hui. Enfin, il y a beaucoup de flics. Je leur dis pas que je stream. T'imagines un petit peu le malaise? Ouais, je fais des vidéos sur internet, j'explique mon métier, mais je joue surtout aux jeux vidéo et mon dieu, j'ai pas un avis de gros droitard extrémiste. Qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Ouais, dans ma brigade, il y a des gros cons qui ont des pensées racistes, homophobes. Et je les remets en place, c'est pas mon problème. En tout cas, en fait, dans la vie, il y a un choix à faire, c'est est-ce que tu veux vraiment dialoguer avec les cons? Au début, oui, et après tu te rends compte que ça sert à rien. Sauf que moi, je le fais d'une manière plus diplomate. Et je demande, et surtout, j'ai appris un truc, c'est que les gens, quand ils affirment quelque chose et que tu leur demandes pourquoi ils affirment cette chose-là, généralement, ils savent pas te l'expliquer. Et si la personne en face te dit, bah, parce que, pars-toi. T'as pas besoin de t'expliquer avec. Je sais pas où on est, mais on y est. C'est plutôt cool là, une petite zone un peu insolite. Moi aussi, j'ai eu des pensées arriérées sur des sujets. Moi aussi, j'ai stigmatisé quelqu'un. Moi aussi, j'ai harcelé quelqu'un. Moi aussi, j'ai emmerdé quelqu'un. J'ai sûrement fait du mal à beaucoup de gens. Mais à un moment donné de ma vie, j'ai réfléchi et je me suis dit, attends, est-ce que j'ai vraiment envie d'être la personne à laquelle je ressemble actuellement? Non. Donc j'ai changé. Et comme dirait ma belle-mère, il y a que les cons qui changent pas. Bah écoute-moi bien, Batman. Tu descends. Ah bah ça c'est con. Ah c'est... c'est rigolo, c'est des statues de chauves-souris. Donc il y en a là-bas. Tu vas envoyer une onde sonore, un truc comme ça. Donc, du coup je le rappelle, si vous faites un gros coup, vous pouvez voir si vous pouvez vous permettre de tomber ou pas. Si vous tombez pas, en faisant le gros coup, ça veut dire qu'il faut pas tomber, justement. Ça veut dire que vous êtes trop haut. Voilà. Encore un petit tips. Très connu, mais bon. C'est comme quand vous vous rendez compte que la personne en face de vous ne prend pas le temps de vous écouter. Ça sert à rien de dialoguer avec elle. C'est un peu manichéen, mais bon. Après, tout dépend de la personne que vous avez en face. Mais... j'imagine que c'est très différent quand tu changes de... Tu peux voler ou pas, toi, là? Parce que ça a l'air d'être galère, quand même. Bon, bah au revoir. Hein.
Ah bah il y a un autre ascenseur. Faudrait pas essayer d'expliquer des choses aux cons parce que ça pourrait les rendre intelligents. Je sais pas où je suis, mais j'y suis. Pas mal ça. Ah. C'est passé. Paco c'est un gros con mais j'aime bien discuter avec lui. Ça change. Je sais pas trop où je m'embourbe là-dedans, hein. J'avoue que... Hey. Il y a Google aussi, ouais. J'ai fait le tour, non? Je crois. Colère lointaine. Ça doit être le halo. Le halo doré, là, qui balance les types. J'ai du mal à discerner le second degré et le premier degré. C'est du second degré. Non, Paco, c'est l'amour de ma vie. Vous êtes fous, quoi. 14 ans que je le connais. Moi aussi, mais il faut que je fasse des tests d'ailleurs de... Faut que je fasse des tests d'autisme. J'aime pas trop dire ça parce que je trouve que... Ça... Mais du coup, l'autisme... Ouais, ou un TSA. Je sais pas trop comment le dire, mais... C'est mon médecin traitant qui me demande parce que j'ai des comportements un peu étranges avec les autres. Apparemment. Il m'a pas donné ses runes. Ah si quand même. Il a lâché un truc ce bâtard. Test d'autisme on comprend et si tu le comprends. Principal. Ah oui, oui, bien sûr. Non mais des fois je me rends compte que j'ai des manières de réfléchir très bizarres. Pas du tout logique. Mais dans le social. Donc il y a un truc, c'est le mono, je sais pas quoi, monocri, un truc comme ça. Je sais plus exactement comment ça s'appelle, mais il faut que je fasse des trucs par rapport à ça. Je sais pas, on verra bien. Bon bah il y avait pas grand chose de plus, je pense que c'était un peu une zone bonus pour aller choper de... Hop. Oh. Ah peut-être pas en fait. Déteste. Banana phone. Bah alors. Bon, on est où là? Oh. Alors, on atterrit, je pense, dans cette zone là. Je trouve des trucs sans le savoir, moi. Je suis plutôt pas mal. Ouais, ça doit être intéressant, ouais. Mais je sais pas si, enfin, je sais pas trop comment le prendre, mais genre je me suis dit tiens, je vais faire comme la moyenne française et je vais taper test autisme sur internet. Et il m'a semblé voir un site à peu près fiable. Et genre il fallait faire, c'était un score entre 6 et 10 pour avoir, pour se poser la question d'aller faire un test. Et je suis tombé à 8. Donc bon. Ah!
commandant Gaius. Putain, c'est comme... c'est Kiro. Oh, il m'a défoncé. Attends, mec, parce qu'on se connaît pas, en fait. Généralement, on dit bonjour. Je te fais mal? Non. Super. Ah, je l'avais en tête en plus. Oredo Gyobu Masataka Oniwa. Ça faisait très Gyobu quand même comme entrée. Bon ben voilà, on a un objectif. J'allais dire, est-ce qu'on voit le coup arriver, mais non. Ah, faut que je rechange ma fiole. Ah ouais, quand même. C'est un sacré score. Mais je pense que tout le monde l'est, hein. Enfin, je suis pas médecin, mais j'ai l'impression que ce genre de test, tout le monde l'a un peu. Enfin, c'est pas trop comment dire, mais c'est plus un truc de notre génération. Vu que c'est calculé sur des problèmes d'anxiété, de situation sociale, et que les réseaux sociaux ont beaucoup partagé ce sentiment-là, test fait par neuropsychologue. Ah bah oui, bon voilà. Bah après, on peut te dire. Je pense que ça t'empêchera jamais de vivre, hein, je pense. Je me fais défoncer. Il a l'air chaud de ouf, lui. Phase 2. Ah ouais. Ok mec. Ces troubles sociaux de l'anxiété, c'est ça? TSA? Troubles sociaux? Je sais plus. Toujours en occulte? Ah non, t'es plus en occulte. D'où le fait que je ne fasse plus autant de... Trouble du spectre autistique. Ah bah oui, merde, je suis bête. J'ai accès à torrent là. Ah,
Un sacré facochère. Ouais, ça va être pire, je pense. Comment t'esquives les deux coups là? Tu m'expliques? Oh, pas mal. Amuse-toi à esquiver ça. Petit dégât quand même. Ouais. Faites défoncer. Bon, enfin voilà. J'en parle parce que... Je sais même pas si j'ai le droit d'être dans la police du coup. On verra bien aux tests psychosociaux. Ah bon, intéressant ça dit donc. Yo Kevin, bienvenue. C'est le moment de tabassage de couilles. Prends des chips. Tu vas pouvoir te foutre de ma gueule. Ah! Oh! Miams! Mon nœud! Ouf! Ah, dommage. Testons un autre build, juste pour voir si le saignement est efficace. Testons ça là. Tac. Tac. J'ai pas grand chose de plus. Hein. À 58 d'ésotérisme, 60 d'ésotérisme parce que ça vaut le coup. On va bien voir. Hein. Masque blanc. Les fioles. Attaque successive. Et dextérité, force. Oh vas-y, un coup gratuit. Ne serait-ce que pour essayer de survivre à la force véloce. Je comprends pas comment ça me touche. C'est plus cul. Phase 2 assez rapide.
C'est quand même plutôt large comme attaque. Peut-être peut-être se mettre en torrent justement, le temps d'esquiver. Ça marche mieux, j'ai l'impression. Ça marche mieux. Voilà, trop tard. C'était rapide. Il est un peu chiant à me foncer dessus. Ou alors j'ai une meilleure idée. J'ai une meilleure idée, on va utiliser torrent. J'allais dire frérot. Je vois rien. Oh. Je sais pas comment l'esquiver ça. Pas le timing. Bon, on va faire au premier, ça va être long. Si Mesmer on était à 50 essais, Relana une trentaine, j'estime une bonne quarantaine. Je sais pas. Je préfère les cheveux courts. Bon, les miens, il faut que je les rase. Donc là, c'est bon, je peux commencer le combat. Ouais, c'est un peu ça du coup. J'ai eu le temps de me gratter et tout là. Ah mais il m'a pas compté le soin vu que je me suis pris une petite un truc de gravité. Faudrait que Paco les cheveux longs. Je pourrais pas avoir les cheveux aussi longs que lui. C'est gênant. J'ai compris à peu près comment esquiver la charge. C'est vers lui. À un certain timing. Dont je ne saurais comment expliquer. Petit repère visuel. Par exemple là, j'ai juste pas appuyé sur le bouton. Ce qui est aussi une technique pour esquiver. Donc la caméra de Elden Ring, voilà, comme d'habitude, hein, c'est toujours un bonheur.
je l'ai pris gratuitement. Ah. Ce qui est bien, c'est qu'on voit les coups venir. Ça, c'est quand même plutôt pas mal. Moi. Mais c'est comme beaucoup de boss sur Elden Ring, hein, ils ont des petites feintes, hein. Merde. Ah bon? Ne me demandez pas comment j'ai fait. Oui, mais les mobs blancs, justement, ils ont ce pouvoir de te mettre des feintes. Rien que le fait que tu vois une attaque chargée, du coup tu dis mince, il faut que j'esquive, donc tu esquives, et là ils te mettent le coup. Alors tu vois une attaque chargée, tu esquives, mais le coup est pas parti, donc tu retentes une esquive, mais t'as pas le temps, du coup tu te la prends. Enfin, c'est que des petits trucs comme ça, très subtils. Que FromSoft a l'habitude de faire, hein, c'est... Oh, je vais me la prendre celle-là. Pff ! Pourquoi là ça me tue ? Ça me tuait pas tout du long et là ça me tue. Je pense que le pire c'est ça là. C'est le dégât qu'on se prend. Et j'ai vu aussi que tout le DLC il scale par rapport à toi. Donc en fait, tous les mobs du jeu, s'ils sont si durs à battre, c'est parce qu'ils scale. Ils se mettent à ton niveau en fait. Par contre ça c'est chiant. À qui il va la mettre? Oh merde! Un PV! Ouh. Oh le 1 PV! Souvenir de chevaucheur de sanglier. Ouah le double 1 PV!
Oh, il m'aurait fait mal au cul celui-là. Cool. Eh ben, je m'attendais pas à que ce soit si simple. Le type. En vrai, ça va. Je crois que je commençais bien à comprendre le truc. Il avait pas tant de patterns de dégâts de ça. Mais cool. Bon boss. Hâte de pouvoir lui mettre des marteaux du géant dans la gueule. Quelle heure il est? 19h09, ça va. Un PV. Même pas 10 essais du coup, hein. J'ai été bon là. Perdu toi. Jambière de Gaius. Légendaire en plus. Ah non 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 non. Jambière en fer noir appartenant au commandant Gaius, une plaisanterie bien cruelle car il est incapable de les porter. Oh. Chevauchant un sanglier qu'il décrivait comme étant son autre moitié, Gaius était en vérité un guerrier albinorique. Ok, je vois pas le. Je vois pas ce que ça a de légendaire. Surtout que c'est moins bien que les miennes que j'avais. Talisman de tir précis. Oh. Puis on attaque lors des tirs de précision. D'accord. Donc j'imagine quand on vise. Bah cool. Sacrée lumière. Hein. On va quand même passer par le... qui rend l'arc viable. Imagine ça, les autres talismans plus comment ça s'appelle, plus le fait que tu joues à l'arbalète. Oh, oh miam 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 miam. Ah mais c'est ses chiottes, merde. Ah, il a dû avoir une diarrhée monstre et du coup il a perdu son fion. C'est pour ça qu'on a plein de morceaux. Bon, celle-là il fallait la faire entre nous. Fragment d'os béni, il y en a encore. Bien bien. Calice de tabarnak de l'arbre occulte. J'avoue. Bon ben encore une zone où ça se termine. Ah. J'y arriverai jamais à avancer. Mais du coup, c'était du bonus. Sympa. Il y a toujours le coup de... Pour être deux niveaux, c'est dingue. Il y a toujours le l'endroit là. Ici. Où il y a l'espèce de geyser que j'arrive pas à débloquer. Le saut spirituel que j'arrive pas à débloquer. Alors, pas utile, mais là. Du coup. Donc, je vais encore chercher. 1258. Oh, ça va, hein. Alors il paraît que le katana il scale énormément, comme un croc du chevalier lumière.
sert à rien. Yes. Non stress, c'est un torrent. Est-ce qu'il serait pas en hauteur? Bon, je vous avoue que j'ai pas trop envie de passer 40 ans là-dessus. Donc vous ne m'en voudrez pas juste de checker vite fait. Salut à tous. Ta gueule. Montre-moi où c'est, qu'on rigole. En termes, ma théorie du fait que c'était à côté est complètement fausse. Donc c'est littéralement de là où on vient, quoi. Ah oui, donc c'est un peu loin, quoi, quand même. Ah oui, d'accord, donc en fait j'ai littéralement pas du tout exploré la zone. Allez, j'arrête ça. Allez, bah, bonne soirée Ellie. Personne t'en empêche. Géant de feu V2, ouais, mais si on les tue on gagne des fioles des bénédictions divines. Apparemment c'est par là, donc on va essayer de chercher un peu plus. Ah, c'est un squirrel, je croyais que c'était... Ah oui, je connais pas là. Il va falloir que je change mes... T'as encore une fois une caméra aux petits oignons quoi. Plume d'oiseau divin. Quand on prend le temps 30 secondes d'explorer une zone, c'est sûr que c'est plus simple. Ah bah il est là. J'allais dire je vais haut. Allez, on risque sa vie. Un peu trop obvious. Très bizarre quand même le fait de pas avoir la carte tout de suite de la zone. Oh, ça me perturbe un peu. Ok, je vois où on est.
Je vais y avoir par là. Putain, mais j'aurais pu le rejoindre en fait complètement différemment. C'est comme si t'étais en combat en permanence, t'as pas le droit de check la map pour voir si tu vas dans la bonne direction. Ouais, ouais, bah ouais. C'est très perturbant, je suis assez perdu. Merde. Tout ça, je connais pas ici, par exemple. Je le bute parce que je sais pas ce que c'est. Ah. Quand même voir ce qu'il y a là avant de partir. Bourgeon écarlate. Ah, il vole celui-là. Il vole, il rebondit. C'est rigolo quand même comment il rebondit de ouf. Ah, une fleur de... Aspect du creuset floraison. Oh. Pourquoi pas. Oh putain, je crois qu'à un moment donné je vais devoir vous laisser 5 minutes. Pourquoi je pense toujours pas de cette merde. Ouais. De ouf. Peut-être une vision de l'enfer pour beaucoup, hein, les scorpions, araignées, tout ça. Juste que j'ai des trucs à rendre à mon voisin. Enfin, je lui ai acheté des melons, quoi. Pipoupi. Et hop, ça c'est gratuit. Je vais où ? C'est bien, je suis pas perdu. Ah. Aïe. Ça faisait longtemps que je m'étais pas fait avoir par un chien. Je sais plus du tout comment j'y reviens. Retourne plutôt, c'est plus français. Maintenant qu'on a accès à ça, c'est mieux quand même. Oh Bambi. Ah. Pendentif bariolé 2. Robustesse, immunité, focalisation. D'accord. Pourquoi pas. C'est trop haut ça.
Bon, ça va, au final, j'y reviens vite. Je suis en train juste de poncer un petit peu l'armure. Voilà. Bien brillante. Oh. C'est la grève ou quoi, lui? Je me retrouve recoincé encore. Mais... Attendez, il y a sûrement une explication à ça. Le fait est que je revienne exactement là où j'étais, c'est qu'il y a une explication. Le jeu peut pas me faire prendre un ascenseur pour revenir là où je suis. Si, vraiment? Ça sert à quoi alors? Je me mette à un étage précis. Ou bien. Genre là. Je sais pas. On va y retourner, hein. Là-haut. Peut-être quelque chose là-haut que j'ai raté. Très certainement, même. Oh, il y a un temps de merde. Une pensée à tous ceux qui travaillent dehors le soir. Je vois pas l'intérêt de revenir là. Putain, c'est dingue ça, je comprends rien. Pourtant, j'ai rien chopé de spécial, non? C'est bon. Il y avait un truc là. C'était de ce côté. Ça, par exemple. Ah mais non, mais je reviens là. Ben punaise. C'est que c'est pas facile tout ça.
Je crois qu'il y a un truc qui est tombé sur mon balcon. Ben je sais pas. Honnêtement, on tourne, mais on trouve pas grand chose de. Ouais, là c'est là que j'avais pris à gauche du coup. Sacré bloc de pierre. Prendre une posture menaçante pour éloigner les ennemis. Non. D'accord, j'ai pas le droit. Et je crois que je vais perdre mes tomates, hein. Putain, oui, elle se barre et tout. Oh là là. Quel vent de merde. Oh, mais attends, je l'avais pas vu, lui. Qu'est-ce qu'il fout, là? Oh, attends, ça m'intrigue. Je veux te rejoindre. Il y a un voile sur la lune. Comment je te rejoins? Pas comme ça. Bon. Ça sonnera la fin. 1h30, bon je passe stream longtemps mais... j'avoue que là en fait j'ai un peu peur de perdre mes tomates, ça me ferait chier. Donc je vais couper ici, je pense pas revenir dans la soirée. Je ne pense pas. Auquel cas je vous souhaite une bonne soirée, merci d'avoir regardé. Passez un excellent week-end si on ne se voit pas d'ici là. Et puis à bientôt. Bis bis.